Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Claire Pinet, je suis animatrice coordinatrice sur l'économie de la fonctionnalité à l'ADEME, Agence de la transition écologique. C'est avec plaisir que je vais animer votre atelier qui se nomme Innover par le service et la coopération, une nouvelle voie à l'heure de la relance économique. Notre modèle de production et de consommation arrive en bout de souffle. Les marchés sont saturés dans les pays industrialisés. Les stratégies de production en volume de biens matériels à bas prix et la surconsommation nous conduisent à des impasses sur le plan environnemental. Les conditions de vie sur Terre sont gravement menacées à terme. Et pourtant, tout n'est pas perdu. Il faut agir dès maintenant, prendre une nouvelle voie, changer de modèle économique. L'innovation par le service et la coopération est une voie prometteuse. Cette innovation est portée par le modèle de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, et cela fait l'objet de notre atelier aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que vous avez la possibilité de participer à cet atelier en posant des questions via le chat, et nous essaierons bien entendu de répondre à vos questions. Nous aurons 5 intervenants pour cet atelier. Paul Boulanger, consultant associé et président du cabinet conseil Picaya. Romain Demissy, intervenant chercheur au laboratoire d'intervention et de recherche Atemis. Julien D'Acosta, dirigeant de la société Flex Inc. Gwenaël Kervajan, délégué général de FINEF. Et Simon Ledez, délégué général du club Noé. Alors, à mes côtés, il y a donc Romain Demissy et Julien D'Acosta. Paul Boulanger sera au début en visio avec nous et pendant toute la séance, on espère que la communication marchera. Alors, je vais commencer par toi, Romain. Donc, je rappelle que tu es intervenant chercheur chez Atemis et tu as accompagné plusieurs entreprises engagées dans l'innovation par le service et la coopération. Alors, tu t'appuies pour cela sur le modèle économique de l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce concept? Alors, en deux mots, l'économie de la fonctionnalité de la coopération, quand on dit un modèle, c'est surtout un modèle de pensée, une manière d'aborder son activité. Pour ceux qui ont suivi les ateliers de ce matin, il y avait notamment un magnifique atelier qui mettait en perspective 10 expériences d'entreprise et notamment une expression qui a été utilisée que je trouve très bonne. C'est l'économie de la fonctionnalité, c'est avant tout des lunettes qui permettent de penser, regarder son activité autrement et donc organiser déjà la possibilité d'un décalage par rapport à notre trajectoire actuelle, notre trajectoire dominante, qui est source de péril, hein, que ce soit écologique, mais aussi social et économique, à vrai dire, de tension de ce point de vue-là. En fait, le modèle de l'économie de la fonctionnalité, il vise à une rupture avec une manière de penser qu'on a hérité de longue date dans la pensée de l'activité, qui est une pensée que nous, on qualifie d'industrielle, non pas parce qu'elle s'applique uniquement aux activités de transformation de la matière, de transformation concrète des choses et de production de biens, mais en fait, cette pensée, elle est issue de cette révolution qu'on appelle la révolution industrielle, et depuis, elle s'est diffusée, elle s'est appliquée de manière indifférenciée à l'ensemble des activités, alors que quand même, en 250 ans d'histoire, hein, depuis cette révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui, les choses se sont beaucoup modifiées. Et puis, la partie, on pourrait dire, la part servicielle, relationnelle dans l'activité s'est beaucoup développée. Alors, tu dis que l'activité industrielle s'est appliquée à beaucoup d'activités. Alors, c'est vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour les services également? Oui, c'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que cette considération très industrielle, alors ce qu'on met derrière pour aller un peu très vite sur ça, mais c'est par exemple cette idée que l'on sache à l'avance définir ce que l'on produit, la valeur de ce que l'on produit, et puis les effets de ce que l'on produit. De se tourner vers une logique aussi qui encourage en fait une logique de volume, que finalement la richesse c'est par la multiplication des unités de production. Bien, tout ça, ça se retrouve à la fois dans l'agriculture, ce qu'on a appelé une agriculture de masse, une agriculture industrialisée, mécanisée d'un côté, mais ça se retrouve aussi du côté des services qui eux-mêmes se sont on pourrait dire bureaucratisés d'une certaine manière, ou alors des services qui tendent à se normaliser et à faire comme si un service était reproductible à l'infini. Et ça vaut à la fois pour les services de soins, pour la recherche, pour l'enseignement,
mais aussi pour les services à la personne, pour le nettoyage. Toutes ces dimensions-là, en fait, sont touchées par une vision industrielle de cette activité. Alors, le problème, ce n'est pas d'avoir une vision industrielle. En soi, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que cette vision industrielle, elle est particulièrement incapable ou en difficulté vis-à-vis des défis de notre temps, notamment les défis environnementaux, puisque notamment la logique de volume, elle met tout de suite en tension cette question d'une croissance par le volume vis-à-vis de ressources qui, elles, ne sont pas infinies de ce point de vue-là. Il y a aussi les tensions du côté social, c'est-à-dire de prendre en charge l'écart culturel, l'écart de positionnement des personnes vis-à-vis des solutions, puisque on pourrait dire que le modèle industriel, il sous-entend que les gens sont tous prêts et que la solvabilité suffit pour donner accès à la valeur que l'on produit dans le modèle industriel. Et puis, enfin, il y a les dimensions liées au travail, avec beaucoup de questions qui sont très émergentes, enfin, même bien installées maintenant, sur les questions de sens au travail, sur les questions de souffrance au travail, sur les questions de pénibilité, et qui sont très liées à ce décalage entre ce que l'on vit dans l'expérience tous les jours du travail et puis ce que demande finalement l'activité économique, qui met toujours en tension une volonté de rendre service et en même temps un mode de pensée, une manière de regarder l'activité qui fait comme si c'était réglé à l'avance cette question. Donc c'est à ça qu'essaye d'apporter une réponse finalement l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. D'accord. Donc, en fait, on voit que c'est un modèle qui n'est plus basé autant sur les volumes, qui est beaucoup plus basé sur le service, et finalement un service, mais qui n'est pas réglé à l'avance, qui demande une relation particulière avec les clients, du coup. Hein, c'est bien ça. Oui, avec ce point très important. Alors, vraiment, dans les 10 expériences de ce matin, et on va le revoir avec Julien, c'est le changement d'une trajectoire. C'est-à-dire, vers quoi on se projette ? Dans le modèle industriel, on a tendance à se projeter vers toujours plus d'unités de facturation, toujours plus quelque part de production, et avec une production qui est surtout perçue par les éléments constatables, matériels, un peu durs et prévus à l'avance. D'accord. Et là, on va dans quelque chose où on se demande, la question principale, c'est à quoi ça sert ? En quoi ça rend service ? Et cette bifurcation, ça a l'air d'être juste de la sémantique comme ça, mais en fait, ça engage une vraie transformation des entreprises. Et y compris, ça ouvre la possibilité d'intégrer les enjeux du développement durable. C'est-à-dire de dire, si c'est à quoi c'est utile, on peut le réfléchir. En quoi ça rend service, on peut le réfléchir avec cette idée de en quoi ça rend service en étant le moins prégnant sur les ressources. En quoi ça rend service en permettant de lâcher la logique de volume. En quoi ça rend service, y compris en mettant... Alors, c'est un terme un peu... Ça va paraître un peu idéologique comme ça, mais en mettant du non-agir, c'est-à-dire des choses qu'on ne fait plus. Et ne pas faire, des fois, c'est beaucoup plus porteur de valeur, quelque part, que de prendre tout en charge. Et ça sort d'une sorte d'ambiguïté entre le producteur et le consommateur, qui est que, forcément, le producteur aurait intérêt à ce que le consommateur en prenne le plus possible. Là, non, la question principale, c'est le niveau de pertinence. En quoi c'est pertinent ce que je fais ? En quoi ça correspond aux besoins ? Et donc... On peut se poser la question de l'intégration de l'économie matérielle et donc les effets environnementaux qui en découlent, d'une possibilité de participation du client à ce travail-là. Et donc là, on a des éléments aussi de solvabilisation qui ne relèvent pas uniquement des questions de prix, de coûts. Et puis des effets qu'on peut aussi territorialiser, mutualiser. Et donc là, une dimension qui est aussi de reprendre un peu langue avec des dimensions démocratiques, avec des dimensions aussi de lutte contre les inégalités, contre les différences entre les territoires, entre les populations. Et donc, en fait, intégrer directement dans l'EFC des démarches environnementales, sociales et résoudre des ambiguïtés économiques. D'accord. Et autour donc, de ces démarches environnementales, sociales, de ces nouveaux services, est-ce que tu as... On t'a accompagné pas mal d'entreprises. Est-ce que tu peux nous donner un exemple un peu qui peut nous éclairer ? Alors, des exemples, il y en a heureusement beaucoup. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est que l'EFC, encore une fois, ce n'est pas une boîte où il y aurait des gens qui seraient dans l'EFC puis d'autres pas. C'est qui s'engage ? Alors, on a eu 10 exemples ce matin. Il y en aura un avec Julien, donc je ne vais pas parler de Julien tout de suite. Mais c'est par exemple, ce matin, on a entendu parler d'une entreprise qui s'appelle Opaline, qui fait de la gestion de palettes. Et donc, qui a créé un logiciel pour faire en sorte que les palettes Europe ne se perdent pas. Et en fait, très vite, se rend compte que pour que les palettes Europe ne se perdent pas, ça ne suffit pas à la question du logiciel. On a aussi besoin
de comprendre comment les gens travaillent, comment circule l'information sur les palettes, qui en a usage et comment finalement il y a une coopération à organiser au sein de la chaîne logistique. Et en faisant ce travail-là, finalement, Opaline arrive à réduire de manière importante les palettes Europe qui sont perdues, donc à reproduire. Et donc, on a une production, quelque part, de bénéfices, à la fois une pacification des relations dans la chaîne logistique, en même temps des effets environnementaux intéressants, et puis une solution économique qui est pertinente. Autre exemple dont on a parlé ce matin, c'est Gesnor, qui est quelque chose qui est pas mal connu dans la région. Gesnor, qui est une entreprise qui faisait au départ un centre d'appel pour les médecins, et puis qui petit à petit se met à s'intéresser à son impact sur la santé des médecins. Faisant ça, se met à comprendre qu'il a une manière de travailler qui lui permet d'agir sur l'équilibre vie pro, vie perso des médecins. Travaillant sur cet équilibre, aide aussi à l'implantation de médecins dans des territoires où il y a une désertification médicale. Et puis, faisant ça, se retrouve à travailler avec les hôpitaux sur comment on gère les sorties pour éviter que quand il y a une défaillance du système de la médecine de ville, ça se retourne sur les urgences. Et en fait, se retrouve convoqué au ministère, sollicité par le ministère de la Santé pour penser l'hôpital de demain, alors que c'est une boîte de 15 personnes à Courrières, dans le bassin minier, qui est plutôt célèbre pour les incidents miniers au 19e, début du 20e siècle. Et donc, les exemples, c'est plutôt de comment ça met des dirigeants dans une capacité d'inventer des choses nouvelles, sans dire exactement à l'avance ce sur quoi ils vont atterrir. Par contre, ça les met dans une posture d'innovation très forte. Le Club Noé avait fait d'ailleurs une étude d'impact de sa propre activité et de l'accompagnement éco de la fonctionnalité sur les dirigeants. Et un nombre très important, je ne sais plus, c'était plus de 90%, disait « ça nous remet dans une posture d'innovateur. On est en capacité d'innover désormais ». Donc l'EFC, les cas d'entreprise, on pourrait les multiplier, mais ce qui est commun un peu à tous, c'est ce changement de perspective, c'est-à-dire ces lunettes nouvelles que l'on chausse pour voir autrement son activité, finalement, ça ouvre aussi la possibilité d'inventer avec des clients, avec des partenaires particuliers, avec finalement un peu un écosystème avec lequel on travaille déjà, mais ça permet d'inventer des choses radicalement différentes de ce que l'on faisait avant, et surtout directement, on pourrait dire, dans une idée, dans une intention, qui est de prendre en charge toute la complexité de ce que demande le développement durable, qui ne se limite pas à des dimensions techniques, qui ne se limite pas qu'à des dimensions relationnelles ou des dimensions de coopération, qui ne se limite pas à des dimensions territorialisées, mais bien encastre l'ensemble. Et je pense que c'est cette dimension d'encastrement que toutes les entreprises que j'ai accompagnées, mais que le Club Noé aussi a aujourd'hui comme adhérent, et ailleurs en France d'ailleurs, Paul pourra parler aussi de ce qui se passe en Occitanie et puis dans pas mal d'autres régions françaises, mais on a un mouvement, on pourrait dire, de fond, de dirigeants qui, se réinventant la manière de regarder leur activité, se donnent la capacité en fait d'innover de manière spectaculaire, très ancrée dans le réel, pas de manière idéologique, et dans cette innovation, de prendre tout de suite en charge les enjeux du développement durable dans la variété des enjeux que ça représente. D'accord, donc ils sont bien ancrés dans le réel, bien évidemment dans la complexité, parce que ça demande des changements importants. Donc j'imagine qu'effectivement, ce sont des trajectoires, des parcours d'entreprise qui se font sur plusieurs années. Mais qu'est-ce qui les motive au départ et puis au fil de l'eau, finalement? Qu'est-ce que tu vois, toi, auprès des entreprises accompagnées? Alors, on a des profils forcément très différents. Enfin, il y a toujours une singularité des engagements, mais quand même, il y a des points communs. Je pense que la première chose, c'est un engagement personnel sur les questions de la durabilité. Très souvent, les dirigeants que je rencontre se posent la question de l'impact de leur propre activité, de ce que ça produit, de ce que ça génère, et donc sont au moins gênés par la manière habituelle de penser les affaires, en disant « mais en fait, je mets le doigt dans une stratégie de volume, je suis amené à mettre la pression à mes salariés, Julien pourra en parler, je suis amené à être toujours dans une stratégie de volume, où je ne peux pas penser le développement autrement comme ça. » Et donc, il y a une vraie, au moins une gêne, voire un refus assez catégorique de cette dimension de le développement passe par l'industrialisation et en fait le volume. Il y a aussi une dimension de conviction sur une durabilité qui n'est pas que la question environnementale. Elle est certes souvent présente et beaucoup de gens sont sensibilisés à ça, beaucoup des dirigeants que l'on rencontre sont sensibilisés à ça, mais aussi sur ces dimensions
d'organisation du travail, de sens, y compris, on a parlé ce matin d'une entreprise qui s'appelle Banque Communication, où la question première, c'était, moi, je veux retrouver du sens à mon travail de communicante. Et ça, ce sont aussi des aspects très importants, parce que les dirigeants, à la fois face aux enjeux environnementaux et l'incapacité du modèle classique à y répondre, et en même temps, par une démarche personnelle de plus en plus fréquente, de se reposer la question de à quoi ça sert ce que je fais, comment c'est utile, finalement, sont convoqués sur cette question du sens pour eux-mêmes, pour leurs collaborateurs et pour leur entreprise, on pourrait dire d'un point de vue général. Et donc, il y a un peu cet aspect-là. Et puis, il y a les aspects aussi d'impasse vécue du modèle industriel. C'est-à-dire de dire, si je continue à faire mon activité comme je la fais, en fait, je suis en train d'aller dans le mur. Sauf à devenir le dominant sur mon marché, il n'y a aucune chance que je m'en sorte. On parlait ce matin d'un notaire, par exemple. Soit il embrasse l'industrialisation à fond de son métier, et donc l'ubérisation, le retour sur les actes. Et en fait, il met à mort un peu le modèle de ce qui lui semble faire valeur dans son métier. Soit bah, il embrasse une autre manière de penser son métier, et donc il sort de cette ornière quelque part. Donc il y a un peu les trois dimensions. La dimension sensibilité personnelle sur les aspects environnementaux, la dimension d'une sensibilité, on pourrait dire, au quotidien de ce que ça demande en termes de relations professionnelles, relations sociales dans l'entreprise, et puis une dimension qui est de dire le modèle industriel ne peut m'amener que dans le mur. Voilà. D'accord. Un peu très rapidement la variété des situations. Très bien. Maintenant, je vais interroger Paul. Paul, tu es consultant et président du cabinet Picaya et tu as produit en 2020 pour l'ADEME une étude qui s'intitule « Panorama et pistes d'action sur l'économie de la fonctionnalité ». Alors, est-ce que tu peux nous décrire cette étude assez rapidement, son objet, les différents documents produits ? Oui, alors, repartons simplement de l'objet, il y avait deux objectifs majeurs pour cette étude. Un premier objectif qui concernait faire une sorte d'étape, de point d'étape de l'économie de la fonctionnalité qui se déploie en France depuis une vingtaine d'années pour voir un peu où on en était, ce que ça avait produit, ce qu'on pouvait en retirer comme expérience. Et puis également partager en fait des informations auprès du plus grand nombre. Alors pour ça, on a rencontré 150 personnes à peu près qu'on a interviewées directement ou qu'on a rencontrées via des visites d'entreprises à travers de l'organisation d'ateliers collectifs également, c'était des dirigeants, des clubs d'entreprises, des institutionnels, etc. Et ça nous a permis d'aboutir d'une part à un rapport, effectivement, alors peut-être que tu pourras donner les éléments pour identifier l'endroit où il se trouve sur le site de l'ADEME. Un rapport qui explicite un peu où on en est aujourd'hui de l'économie de la fonctionnalité en France, en particulier des opérations qui sont accompagnées par l'ADEME, d'une part, et d'autre part, un tas de ressources. Il y a des fiches entreprises, par exemple, qu'on peut regarder, qui sont des témoignages de dirigeants, des fiches aussi sur des opérations collectives qui ont eu lieu dans certaines régions. On va retrouver aussi 150 ressources accessibles en ligne. Alors, il peut s'agir de rapports, de vidéos, de plateformes. Ouais. Donc ça, c'est accessible effectivement à tous sur le site de l'ADEME. Très bien. Effectivement, le rapport, on peut le retrouver sur le site internet de l'ADEME, sur la médiathèque. Donc, je vous invite à aller consulter tous ces documents. Alors, est-ce que, Paul, tu nous entends toujours bien ? Est-ce que il y a une partie sur les différents acteurs ? Quels sont les acteurs principaux qui accompagnent ce nouveau modèle économique et ceux qui commencent à rentrer aussi dans l'accompagnement ? Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus ? Alors oui, on peut dire qu'il y a eu enfin, historiquement deux temps. Un premier temps, celui des pionniers. Là, il y a trois types d'acteurs qui sont intervenus, des acteurs de la puissance publique qui ont fait émerger, qui ont permis de faire émerger le modèle. Alors en particulier l'ADEME au niveau national et au niveau des régions et les régions elles-mêmes. C'est le cas par exemple de la région Hauts-de-France, hein, la région PACA également a été leader. Des réseaux d'entreprises, on peut citer notamment le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, donc c'est 5 000 entreprises ou entrepreneurs en France. Des collectivités territoriales aussi, qui ont fait des expérimentations sur leur territoire. Et puis des acteurs de la recherche, parce que c'est important de structurer le retour d'expérience. Donc Romain, ici, travaille au laboratoire Atemis et il y a également l'Institut européen de l'économie et de la fonctionnalité qui se charge au niveau national de consolider la recherche.
Et au fur et à mesure, en fait, il y a tout un tas d'acteurs, quand ça s'est déployé sur les territoires, qui sont intervenus, des organismes d'intermédiation, des CCI directs, donc la puissance publique, le DREAL également, des pôles de compétitivité, des incubateurs qui sont intervenus, des acteurs de l'ESS, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a cette double dynamique. D'abord, il y a une structuration au niveau national qui continue de se faire et qui est très importante. Et puis après, au niveau local, tous les acteurs pertinents pour mobiliser les territoires autour d'enjeux économiques et environnementaux qui se mobilisent. D'accord, très bien. Donc on voit une multiplicité d'acteurs en fait qui interviennent. Alors maintenant je me tourne vers Julien. Donc je rappelle que vous dirigez la société Flexinc située dans les Hauts-de-France. Donc vous avez repris l'imprimerie de votre papa, hein, c'est bien ça, et vous avez fait évoluer l'entreprise vers une nouvelle offre. Alors qu'est-ce qui vous a motivé pour changer le modèle de l'entreprise? Je peux surtout parler de ce qui m'a démotivé au départ. C'est de dire, finalement, effectivement, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans l'entreprise de mon père. En fait, je ne l'ai pas reprise. C'est justement ça tout le secret. C'est de dire que finalement, j'ai rencontré dans le modèle traditionnel de l'imprimerie toutes les limites dont Romain parlait tout à l'heure, qui est de dire notamment le fait de se dire je pousse mes clients tout le temps à consommer plus de documents parce que en fait le modèle de l'imprimerie, le modèle traditionnel de l'imprimerie est construit de cette manière, c'est-à-dire qu'on a des machines qu'il faut pousser à produire le plus possible et le plus vite possible. Et donc un des moyens les plus simples, c'est de faire comprendre au client qu'il a intérêt à commander le plus de documents pour avoir un meilleur rapport qualité-prix. On se rend compte finalement que le résultat de ce modèle-là, c'est en fait deux choses. La première, c'est qu'on est obligé de pousser tout le temps le personnel qui travaille sur les chaînes de production à aller toujours plus loin, toujours plus vite, jusqu'à la rupture. J'ai connu du coup des cas de rupture. Et sous prétexte d'apporter un conseil à nos clients, en fait, on les pousse surtout à rentrer dans le moule du modèle industriel, c'est-à-dire à commander plus de documents, ce qui, en fait, avait très peu de sens. Et finalement, quand on sait que l'imprimerie dégageait peu de marge, on se dit, finalement, je pousse des gars à travailler toujours plus, à s'user toujours plus, pour que des clients se servent toujours moins des documents, sans gagner d'argent, mais en dépensant beaucoup. Ça commence à faire pas mal. Et donc, du coup, en fait, je n'ai pas repris l'imprimerie de mon papa, mais on a travaillé pendant le temps en fait, où on était encore dans cette imprimerie à ce que pourrait être l'imprimerie qui règle une partie de ces problèmes-là. Et c'est comme ça qu'on a créé Flexinc. Flexinc, c'est la continuité, mais ce n'est pas exactement la reprise. D'accord, donc c'est un peu... C'est la réinvention. C'est une réinvention, comme disait Romain, en fait, c'est de l'innovation. Alors... donc il y avait beaucoup de gâchis, beaucoup de volume produit et puis finalement pas forcément beaucoup de satisfaction en interne, une perte Exactement. De sens, voilà tous les éléments qu'on a retrouvés là un petit peu en introduction. Et alors du coup Flexinc c'est quoi alors, quelle est votre offre en fait par rapport à une imprimerie traditionnelle? Alors Flexinc c'est une imprimerie, c'est un atelier de production avec des gens qui travaillent, qui exercent le métier toujours d'imprimeur. Mais c'est une imprimerie qui a deux objectifs. Le premier, c'est de réduire à zéro le nombre de documents gâchés. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, notamment dans le travail avec le CJD, le Club Noé et le parcours en fait, de formation économie de la fonctionnalité de la coopération, qu'en posant la question à des clients de dire comment est-ce que vous êtes servi des documents que je vous ai livrés il y a 6 mois ? Question qu'on ne posait jamais. Quand je posais cette question-là à mes clients, ils me répondaient soit je les ai jetés, soit je les ai encore et je ne vais pas m'en servir. Des documents qui ne servaient plus beaucoup, alors finalement. Oui, donc, non seulement, c'est ce que j'expliquais au début, c'est-à-dire qu'on met la pression à des gens pour produire un document qui est complètement inutile. C'est double non-sens. Donc, du coup, le premier objectif de Flexinc, c'est de limiter à zéro ce gâchis de documents, donc réduire la consommation de matière, réduire la production. Et ensuite, le deuxième objectif, c'est d'augmenter l'impact de communication, la valeur de communication des documents qu'on imprime. D'accord. Donc, moins de documents, mais plus de valeur, en fait, autour de la communication, plus de services. Les deux sont très liés. C'est-à-dire qu'un document imprimé, dès qu'il est imprimé, est désuet. Ouais. Et donc, finalement, l'idée, c'est d'accompagner nos clients pour qu'ils impriment à chaque fois la juste quantité avec le bon message. D'accord.
Donc ça transforme le métier de l'entreprise finalement. Ça transforme tous les métiers. Alors, vous avez appliqué en fait ce concept à des clients et donc tout dernièrement, en fait, il y a eu un appel d'offres d'architectes, hein, c'est bien ça. Et donc, ça vous intéressait de répondre ou de voir finalement comment vous pourriez répondre à cette demande, à ces besoins. Alors, qu'est-ce qu'il en est en fait ? Qu'est-ce que vous avez vécu avec eux ? En fait, vous parlez du cas d'un de mes clients architectes, un de mes amis, en fait, même un membre du club Noé, qui en fait appartient toujours à une organisation d'architectes, une coopérative qui regroupe plusieurs justices d'architectes, et dans lequel il a travaillé ou entendu parler d'un projet d'impression de documents pour chaque architecte. Et en fait, il a très vite compris que la franchise, enfin la coopérative, avait prévu d'imprimer les mêmes documents pour tout le monde. Lui, très vite, s'est dit « Ah, ces documents-là vont m'être inutiles, ce serait quand même intéressant, connaissant Julien, qu'il soit consulté. » Et donc, j'ai été consulté dans ce cadre-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a demandé de répondre à un appel d'offres, qui est de dire « On a besoin de tant de brochures, enfin, c'est très technique. » Et je devais donner un prix. Et donc, en fait, j'ai remis ce prix. Mais, en fait, j'ai aussi ajouté à cette remise de prix l'œil spécifique de Flexing. C'est à toutes les questions auxquelles j'avais envie de répondre, mais que le client ne s'était pas posé. D'accord. C'est de dire, comment tu vas t'en servir ? Comment est-ce que les gens vont se l'approprier ? Est-ce que vraiment, ça a du sens d'imprimer le même document pour tous les architectes sur tout le territoire ? En fait, j'ai posé toutes ces questions-là. Finalement, l'acheteur savait pas pas y répondre. D'accord, mais en fait, vous lui avez posé des questions sur ses besoins réels, en fait, sur ses attentes, mais finalement, qui ne s'est pas forcément lui-même formulé, en fait. C'est ça. J'ai pris le regard spécifique de Flexing, c'est d'aller regarder, questionner la performance d'utilisation du document là, parce que ce qu'on pourrait appeler la performance d'usage, ce qu'on appelle la performance d'usage, c'est de dire, je me dis, tiens, quand je produis un document, est-ce qu'il va vraiment être utile? Et donc du coup j'ai un certain nombre de questions que je pose au client, et j'ai besoin de travailler avec les utilisateurs pour pouvoir trouver la meilleure solution pour ces clients là. D'accord, donc vous leur avez donc formulé des questions. C'est donc ça devait un peu les questionner, du coup, enfin, c'est vraiment le terme. Ils sont allés plus loin avec vous ou est-ce qu'ils se sont dit, non, on va aller voir d'autres imprimeurs, finalement, ils nous embêtent, celui-là. Non, ils n'ont pas fait ça, heureusement. Non, les questions étaient a priori pertinentes, parce qu'on m'a dit, l'acheteur m'a dit, je ne sais pas répondre à tes questions. Par contre, je sais qu'il y a un groupe qui travaille sur la communication et je pense qu'eux seront plus à même à répondre à mes questions. Et donc, il m'a dit, réponds à l'appel d'offres communication. Ce n'est pas vraiment mon métier de répondre à l'appel d'offres communication. Ce n'est même pas du tout mon métier. Par contre, j'avais toujours des questions à poser aux gens de la communication. J'ai du coup contacté une agence de communication qui s'appelle Banque Communication, dont on a parlé ce matin aussi, qui est membre du Club Noé. Et je lui ai dit, écoute, moi, j'ai des questions à poser. J'ai besoin d'être accompagné. J'ai besoin d'avoir tes compétences. Je ne les ai pas. Et je pense que ce serait pertinent qu'on réponde à deux. Et donc, on a répondu ensemble. C'est pas qu'on a répondu. On allait questionner les gens de la communication. D'accord. Eux n'avaient pas non plus les réponses. Parce qu'en fait, c'est pas normalement, on a l'habitude, en fait, quand on contacte une entreprise, d'avoir un sachant en face de soi. Et c'est de dire, je pose des questions, il me donne des réponses. Mm-hmm. En fait, nous, ils nous posaient des questions, on n'y répondait pas. On posait d'autres questions, notamment sur la performance d'usage, l'appropriation de la communication. Et donc, du coup, on a soulevé un certain nombre d'interrogations chez le client et il y a été sensible. D'accord. Et donc, à deux, finalement, vous arriviez à produire un peu des solutions peut-être plus pertinentes ou à répondre à certaines questions. Et vous avez remporté le marché. Enfin, vous avez continué à travailler avec les architectes. Et quelle a été l'offre Oui, alors, on ne sait pas produire les solutions. C'est là où c'est vraiment intéressant. Ouais, alors, on n'était pas à deux, parce que du coup, on a continué le questionnement. On s'est rendu compte qu'il y avait un troisième appel d'offres sur la communication sur les réseaux sociaux. Donc, on a été à trois au final. Mais par contre, on n'avait pas de solution préconstruite.
En fait, il est difficile, je peux donner l'exemple de l'imprimerie. En fait, une fois qu'on questionne la performance du document imprimé, il y a plusieurs solutions que je peux mettre en œuvre. Notamment, je peux dire, bah, tiens, il faut personnaliser jusqu'à aller à l'utilisation unitaire. C'est une possibilité. Ce n'est pas toujours la meilleure solution. J'ai d'autres outils. On pourrait dire, bah, tiens, il faut juste faire attention à la quantité de documents qui est imprimé. Le message est toujours bon. Ou alors, il est bon pour un certain temps. En fait, il y a 1000 solutions. Enfin, il y a autant de solutions qu'il y a de clients. Il faut juste passer du temps avec les clients pour que je puisse, moi, me faire une idée, soit d'utiliser les outils que j'ai créés en amont et les proposer à mes clients, soit bah, d'en imaginer de nouveau avec lui et d'essayer de co-construire une solution adaptée. D'accord. Donc, vous êtes allé voir les architectes vraiment pour travailler avec eux, pour construire ensemble une solution ou des solutions. C'est ça. C'est ce qui s'est passé au final, alors qu'au départ, on était sur un marché et une réponse, finalement. Ça a quand même pas mal évolué, cette affaire. Et au final, ils ont été satisfaits de ce qui a été produit ou de finalement du travail qui a été fait entre vous. Bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on a du coup rencontré tous les architectes du territoire sur des réunions, en fait, des animations locales sur le questionnement de la communication, l'usage qu'allaient avoir les architectes de la communication nationale, comment ils pouvaient se l'approprier. Et on est arrivé on a délivré en fait une stratégie de communication sur les réseaux sociaux, une stratégie d'impression adaptée, en fait, a priori, qui a été validée par le groupement national. D'accord, ben parfait. Et est-ce que ça a appelé à de nouvelles compétences dans l'entreprise ? Il y a un exemple simple. Cet exemple-là est quand même très parlant. En s'adressant à un client, on s'est rendu compte qu'il allait y avoir à peu près une centaine d'architectes sur le territoire. On allait devoir répondre à une centaine d'architectes sur leur projet d'impression. Sachant qu'on n'a pas de solution toute faite, donc il fallait à l'imprimerie quelqu'un qui soit capable d'accompagner les 100 projets d'impression. Donc on a créé un poste, un métier qui s'appelle accompagnateur de projets d'impression, qui consiste en fait à prendre en compte un certain nombre de contraintes que les clients ont et de les intégrer au mieux dans la stratégie d'impression globale qu'on avait pour tout le monde. D'accord. C'est plus qu'un commercial pour vous ? C'est tout sauf un commercial. Alors, effectivement, il participe à la vente, mais on peut considérer qu'une vente, c'est un commercial, c'est quelqu'un qui vend et qui, une fois qu'il a vendu, a terminé son travail. Là, pour le coup, une fois que c'est vendu, le travail commence. Et c'est réellement le fait de dire, eh bien, maintenant qu'on t'a promis en fait, de diminuer ton gâchis et d'augmenter l'impact de la communication, eh bien, il faut qu'on travaille pour atteindre cet objectif. Et donc, c'est un travail de commercial dans le sens où il y a de la relation client, dans le sens où il y a de la vente, mais ce n'est pas le travail commercial traditionnel comme on peut l'imaginer. C'est ce qu'on a appelé accompagnateur de projet d'impression. D'accord. Romain, tu as accompagné Julien et peut-être que tu l'accompagnes toujours d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous apporter ton éclairage sur le passage d'une imprimerie traditionnelle, ce qu'on peut voir actuellement d'ailleurs, à l'entreprise Flexink. Finalement, en quoi ça répond à un nouveau modèle économique dans ses différentes dimensions ? Alors, la transformation de Flexink, je pense qu'elle est surtout, pour moi, le point le plus central, c'est combien Julien, mais aussi, on pourrait dire, ses équipes, se sont transformées dans la relation au client, et y compris avec cette posture de ne pas tout de suite se dire « je dois apporter une réponse à une demande qui serait incontestable, préexistante, comme si tous ces clients étaient des experts de l'impression ». En fait, ce n'est pas une nouveauté. Hein. Julien le sait depuis longtemps. Ses clients ne sont pas des experts de l'impression. Et par contre, ce qu'il a mis en place, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est sa capacité à les embarquer dans une trajectoire différente. Cet effort qui est fait de leur dire, bon, votre demande, si je réponds comme un industriel classique, voilà la tête que ça a, mais vous n'allez pas tenir les enjeux écologiques. La performance d'usage, elle ne sera pas là. Mais ça, c'est la réponse classique. Par contre, si on veut travailler intelligemment, il faut mettre au travail, finalement, à quoi ça va vous servir ? Comment on organise aussi une pensée sur l'usage des documents, sur ce que l'on va y inscrire, et en quoi, finalement, le document papier, il est porteur d'une valeur ?
Et ça, Julien, enfin Flexink, a développé non seulement une approche de cette question-là, mais on pourrait dire que philosophiquement, là, on l'a tous compris. Par contre, c'est comment pratiquement on s'y prend. Ça, c'est quand même une grosse question. Parce que les clients, ils sont plutôt câblés à se dire, bah, attendez, je vous demande un flyer. Normalement, on ne me pose pas la question pourquoi faire. On me demande combien. Et donc ça, c'est un progrès absolument central. Alors, tu disais, le nouveau métier qui n'est pas un métier de commercial, mais en fait, alors on va en parler demain, il y a une session sur la question de l'évolution du métier de commercial, mais c'est cette idée que aussi la manière de prendre en charge les demandes des clients, elle évolue, puisque l'un des paris ou l'un des axiomes, on pourrait dire, de l'UFC, c'est de se dire, on joue le pari de la coproduction. Mais le jouer sérieusement, c'est-à-dire aussi d'aller rejoindre le client là où il est, dans sa capacité à élaborer la demande, voire l'aider à élaborer sa propre demande. Puis c'est pas que dans le discours, c'est vraiment dans le réel. Hein, c'est ça, c'est que Julien, il s'y confronte depuis des années maintenant à cette question de comment je vais rejoindre mes clients là où ils sont, dans leur demande, pour pas leur tordre le bras et essayer de leur vendre plus que ce qu'ils n'ont besoin. C'est pas le but de l'EFC. Il y a des fois cette incompréhension de se dire les solutions EFC, c'est des solutions très belles, très bien construites, qui mobilisent énormément de ressources, mais qui du coup seraient très chères, comme si ça ne s'adressait qu'à une élite. Le travail que fait Flexink, c'est pas de se dire je fais un truc qui s'adresse à une élite de clients qui ont compris tout. C'est comment le client qui a une préoccupation très terre à terre, de je veux communiquer sur mon entreprise, mon réseau d'architectes, il a besoin de communiquer sur son métier. Comment ça, on le fait tomber du côté durable, intelligent, économe d'un point de vue ressources, pertinent d'un point de vue de ce que ça produit. Et ça, c'est quand même une révolution, pour le coup, du travail de commercial ou du travail de conception de la proposition de valeur. Parce que ça veut dire que là où d'habitude on a une sorte d'évidence, c'est le volume qui répond à ça. Je veux communiquer, bah, fais plein de flyers, il n'y a pas de problème. Il faut faire des centaines et des milliers de flyers. Plus tu en fais, plus tu vas communiquer. Comme si un flyer de plus, c'était de la valeur en plus. C'est ça qu'il conteste, Julien. Et je pense que ce que fait Flexink, parce que ce n'est pas une question d'exemple, c'est la démarche qui est intéressante, c'est de dire, bah non, en fait, il y a une voie alternative à ça. Toute la valeur n'est pas contenue dans le volume. Et alors, ça demande un travail de déplacement du client, pas contre sa volonté. Il ne faut pas vouloir à la place du client. Il faut essayer de l'embarquer dans cette démarche, et y compris être à l'écoute, prendre en quelque part le risque d'écouter la demande du client. Et c'est une vraie prise de risque, parce que ça veut dire qu'on lâche un peu l'idée d'une maîtrise de la solution, où on saurait à l'avance pour le client ce qu'il a besoin. Non, c'est de dire, nous, on va mettre nos compétences professionnelles au service de ta demande. Et c'est là où c'est très intéressant, parce qu'il y a souvent aussi cette ambiguïté de dire, mais en fait, l'EFC, ça va faire que des consultants. Flexink, ça pourrait être des consultants en impression. Non, le fait qu'il garde le métier de l'impression, ça lui donne aussi une capacité de réponse beaucoup plus grande, et y compris une connaissance des enjeux concrets, ce que ça veut dire. Quand on dit un flyer, on va pouvoir le faire évoluer, etc., c'est là où se joue la question de la coopération très fortement. Et le fait de garder une capacité productive matérielle, c'est comment cette capacité productive matérielle, je la mets au service d'une démarche. Et ça, c'est pour moi central dans le travail que fait Julien, et c'est extrêmement important, parce que sinon, on rentre dans un truc où, en fait, on fait retomber en cascade sur des futurs producteurs. On dit, nous, on fait le conseil, on va vous aider à bien penser votre impression, puis il y en a d'autres qui vont produire. Là, non, ils s'affrontent aux deux questions. Comment on pense mieux et comment on réalise mieux. Et ça, c'est extrêmement important dans l'exemple de ce que fait Julien. D'accord, donc c'est vraiment une solution intégrée de production et du service rendu. Et on voit que la coopération joue un rôle majeur, en fait. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends par coopération? En fait, ce que nous révèle, parce que chez Atemis, on a toujours cette approche de, à la fois, il y a une démarche recherche conceptuelle. Hein, on pourrait avoir le concept de coopération, qui est quand même quelque chose de discuté depuis de longue date, hein, les discussions sur la coopération. Puis après, il y a aussi l'épreuve du réel. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que il y a souvent des définitions de la coopération qui sont très dans l'intention. Coopérer, c'est quelque part partager un but commun et puis, du coup, travailler ensemble pour tenir ce but commun. En fait, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas suffisant. Parce que coopérer, c'est se confronter à une chose, c'est qu'on a besoin d'intégrer dans son propre travail les contraintes de l'autre. Il y a besoin de rejoindre le client là où il est.
il n'a pas tout compris de l'EFC. En fait, si on attendait que tous les clients soient prêts à accepter l'EFC, en fait, on passerait notre vie à attendre. Les dirigeants, ça leur prend à minima 18 mois pour être accompagnés à l'EFC. Ils passent 18 mois avec deux experts, en plus un réseau. Le réseau Alliance fait ça depuis 2012. Donc il y a un expert réseau plus deux experts extérieurs. Il y a 10 dirigeants qui tous ensemble, une fois par mois, se voient et discutent de combien l'EFC, ça apporte quelque chose à leur activité. Et ils passent du temps à se former, à se déformer, à réapprendre des concepts. Et ça, le client, il n'a pas fait tout ça. Donc il n'y a aucune chance qu'il soit prêt. Et donc l'enjeu de la coopération, c'est où est-ce qu'il en est le client ? Et comment je l'aide à naviguer dans ses propres contraintes ? Parce que on n'est pas dans un monde idéal où tout le monde aurait compris et appliqué le développement durable. On est dans quelque chose où c'est un dilemme, le développement durable aujourd'hui. C'est un vrai dilemme. Et donc, il faut aider, il faut se mettre en posture de dire où ils en sont les autres dans ce dilemme et comment je les aide. Et donc, la coopération, c'est extrêmement exigeant. Et c'est Julien, il a mis en place des tas de choses très pratico-pratiques. Par exemple, il n'en a pas parlé là, mais de dire à ses clients, vous imprimez pas en une fois, on va le faire en deux. Pour juste s'ouvrir une fenêtre d'évaluation ensemble de ce qu'on a produit ensemble. Et comme un levier pour aider finalement les clients à se rendre compte de où ils en sont, quelles sont les difficultés qu'ils en rencontrent, qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas d'ailleurs à concevoir à blanc, parce que c'est pas si facile que ça de se dire à l'avance... voilà ce que je cherche à produire, voilà ce que je cherche à faire, voilà mes difficultés. Ça ne sort pas comme ça. Ça demande d'installer des relations dans le temps, de les mettre à l'épreuve et de prendre le temps aussi de tirer les fruits de cette mise à l'épreuve. Et alors à la fois, ça prend des formes du côté, on pourrait dire, contractuel. Et donc, d'une proposition, on dit, bah, d'accord, mais vous vous engagez à le faire en deux fois, vous vous engagez à ce qu'on ait des temps de retour, vous vous engagez à ce qu'il y ait des temps de discussion sur ce qu'on a produit avec... telle personne chez vous, parce que si on ne les a pas, on n'a pas une vision complète de ce qu'on fait. Et en même temps, ça veut dire une organisation, vous voyez, on dirait dans les termes classiques de l'économie, pas directement productive. Ce n'est pas produire des imprimés, mais pour autant, c'est nécessaire pour organiser la trajectoire. Et donc la coopération, c'est à la fois avoir envie, ça on pourrait dire c'est le préalable, partager la valeur, très bien, mais c'est aussi se confronter aux difficultés réelles organisationnelle, de l'exigence que ça représente la coopération. Très bien. Et donc, la coopération, c'est vraiment un concept important de ce modèle économique. Et alors, toujours sur l'exemple de Julien et de Flexsync, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan environnemental et sur le plan social ? Qu'est-ce que tu, voilà, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? En très résumé, ce que disait, ce qu'a affiché Julien en résultat, notamment ce matin, c'était moins 50% de consommation de matière à activité constante, à chiffre d'affaires constant. Donc ça, ce n'est pas un petit effet. C'est-à-dire, concrètement, quand il dit à ses clients... Enfin, il faut se rendre compte, quand on est imprimeur et qu'on dit à ses clients « N'imprimez pas parce que vous allez foutre à la benne », c'est un non-sens dans la tête d'un imprimeur classique. Ce n'est pas son problème, normalement. Et donc là... Alors d'ailleurs, Julien avait fait une vidéo au CERD, je vous invite à aller la voir, où il expliquait, on peut faire de l'imprime vert, de l'éco-conception, etc. Si ce qu'on imprime, ça finit à la poubelle, ben en fait, on a tout perdu. On a tout perdu. Et donc là, c'est le premier effet très environnemental qui est de dire, ben nous, on génère l'occasion au moins d'éviter des gaspillages de ce type-là. Et même un gaspillage minime, parce qu'il a été éco-conçu, ça reste un gaspillage. Donc ça, c'est déjà une dimension environnementale très forte. Ensuite, d'un point de vue humain, c'est ce que disait Julien sur la pression qui est mise aux gens pour tenir des impératifs de production, pour tenir du taux d'usage machine, du taux d'utilisation machine, de pousser des gens à produire, alors que ça n'a aucun sens derrière. On rentre dans une dynamique où on dit « Mais non, mais en fait, moi, j'ai besoin de ton métier d'imprimeur. J'ai encore besoin de gens qui sachent imprimer. » Et pas dans un mode où il faut que tu imprimes le plus possible, dans un monde où il faut que tu imprimes le mieux. Alors, c'est son frère à Julien qui gère la production. C'est quand même une autre relation au travail de dire, attends, nous, ce qui nous intéresse, c'est la question de la qualité de ce qui est produit. On a le temps de se dire, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau ? Est-ce que ça tient, est-ce que ça tient pas ? Est-ce que c'est une belle impression ou pas ? J'ai vu qu'il n'y a pas très longtemps, tu as mis une publication Facebook d'un jeu que tu as imprimé, qui est magnifique, qui est beau.
Quand même, pour les salariés qui l'ont produit, qui ont pris le temps de le produire, pour son frère qui est à la prod, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus valorisant que se dire « faut que je fasse tourner l'imprimante offset au maxi parce que c'est le taux d'utilisation machine qui est le critère de suivi du travail ». Donc il y a un côté hyper valorisant interne là-dessus. Et ensuite, il y a pour les clients de poser des questions, de se dire ce que vous allez produire, non seulement ça ne va pas faire du mal à la planète, parce que c'est quand même un truc, tous les clients ne sont pas forcément sensibles à cette question, mais quand même, ça commence à être une musique qu'on entend beaucoup. Et derrière, de dire, surtout, ça va vous être utile. Bah, quand même, ça a une autre tête. Le commercial qui se retrouve avec la plaquette qui a été pensée, dans laquelle il a mis les mains, où il a dit en quoi c'est en rapport à son propre travail, ça permet une appropriation beaucoup plus forte du message de l'entreprise, de l'outil que représente l'imprimé. Et puis, il n'est pas juste là à pousser du flyer. Il est aussi à détenir quelque chose qui a été pensé avec lui, produit avec lui, et donc dont il est porteur. Et donc là, y compris pour le travail chez le client, c'est quelque chose d'extrêmement valorisant pour ses propres salariés. Donc on pourrait dire sur tous les champs, environnemental, c'est pratiquement le point de départ d'ailleurs de Flexing, cette idée de non-gaspillage. Du point de vue du travail en interne, c'est une découverte très rapide, mais de combien ça permet de sortir d'une ornière qui était de mettre les gens dans une seringue qui, en plus, ne fait pas sens. Et vis-à-vis du client, ça, on pourrait dire que c'est une découverte un peu plus récente, mais d'un truc qui permet aussi de remettre les clients dans une perspective de eux-mêmes se poser la question du sens du travail, d'équipes qui sont vues d'habitude comme des déployeurs de flyers, des déployeurs de messages commerciaux, où on ne s'intéresse pas réellement à leur travail. Donc c'est une vraie occasion de remettre les questions du sens au travail, on pourrait dire au carré, chez le client et chez soi. Ok. Bon, Julien Kies. Donc, beaucoup de sens pour les clients, pour le dirigeant d'entreprise, pour les salariés de l'entreprise. Alors, on va revenir au panorama sur l'économie de la fonctionnalité donc, réalisé par Picaria. Donc, Paul, à partir des expériences d'entreprise qui sont décrites dans ce panorama, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les évolutions du modèle économique qui ressortent de ces expériences rapidement ? Alors, ces évolutions, elles sont assez diverses, mais elles commencent par ce qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire renaître le sens de ce qu'on fait vraiment, c'est-à-dire non pas ce qu'on sait faire, mais à quoi ça sert ce qu'on fait. Maslow qui disait quand on est un marteau, on a furieusement tendance à avoir tous les problèmes sous forme de clous. Bah, vous voyez, par exemple, la société Isovation qui continue de fabriquer des emballages isothermes, s'est posé la question à un moment de à quoi ça sert ces emballages-là. Et ces emballages-là, finalement, personne n'a envie d'acheter des emballages pour les emballages, c'est plutôt pour pouvoir maîtriser effectivement toute la chaîne du froid. Et de cette réflexion, Isovation a développé une offre dans laquelle il s'engage vis-à-vis de ses clients à maîtriser complètement et contrôler la chaîne du froid. Ça veut dire qu'on a rajouté évidemment tous des systèmes logistiques et de monitoring qui permettent effectivement d'assurer ce suivi et de partager la valeur, notamment sur le non-gaspillage, c'est-à-dire que comme on garantit qu'il n'y a pas de perte, on peut partager la valeur qui est créée à travers ça. D'autres entrées aussi, en termes de décalage de la proposition de valeur, concernent la prise en charge de dysfonctionnement. Je crois que Didier Dumont est intervenu ce matin, il est installateur de systèmes de chaleur à l'origine, et puis il se posait la question aussi de à quoi sert finalement un système de chaleur. Ça sert effectivement à avoir un confort thermique. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir forcément un confort thermique ? Parce que les systèmes les chantiers aujourd'hui tels qu'ils sont conçus ne permettent pas d'avoir des bâtiments qui soient suffisamment performants d'un point de vue énergétique. Et donc il a glissé, il a déplacé sa proposition de valeur vers un engagement à ce que les chantiers soient conduits, les rénovations énergétiques soient conduites correctement, et de sorte qu'on atteigne effectivement un confort thermique du bâtiment. Alors ça m'amène à la deuxième point, qui est que ça déplace aussi l'écosystème coopératif. On comprend bien que Didier Dumont, il ne va pas pouvoir tout seul à travers, il va pouvoir s'adjoindre compétences d'autres acteurs pour pouvoir garantir la performance sur le chantier. Et donc on va commencer à travailler avec d'autres acteurs et on voit comme ça tous ces écosystèmes coopératifs qui émergent, parce qu'on ne peut pas faire seul, pas répondre seul aux besoins du client, aux vrais besoins du client.
Puis l'autre, encore peut-être un autre point sur les déplacements, je crois que, et ça a été un peu dit dans le témoignage, dans les deux témoignages précédents, c'est que ça déplace beaucoup les métiers, le travail à l'intérieur de l'entreprise. L'innovation, on l'a dit, mais aussi, par exemple, le sens au travail pour les commerciaux. Quand Julien disait, je l'ai noté, l'accompagnateur de projet d'impression, bah évidemment, on n'a plus le même rôle en tant que commercial. Et il disait lui-même, le commercial, il commence non pas au moment où on a... au moment où, enfin, il commence quand on a signé finalement le contrat, alors que normalement, c'est à ce moment-là qu'il s'arrête. Donc on voit tous ces déplacements, aussi bien en termes de proposition de valeur que de travail, de sens au travail, d'innovation ou de coopération avec d'autres acteurs que va poser, en termes d'évolution, là, cette question d'économie de la fonctionnalité. Et le lien au territoire de ces entreprises, est-ce que ça a évolué également ? Oui, c'est très vrai. C'est un point qui est fondamental. À partir du moment où on est dans une démarche servicielle, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une proximité, une intimité même avec le client, on va effectivement avoir cette notion de dépendance au bassin d'activité presque, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit très proche du client. Je donnais l'exemple de Didier Dumont tout à l'heure, Dumont Énergie, où on voit bien que quand on est sur la rénovation thermique de bâtiments, ben, ce sont des artisans qui vont être là, c'est forcément local. Donc il y a cette notion de rattachement à un bassin d'activité, d'une part. Et puis d'autre part, quand on travaille sur ce qu'on appelle les besoins essentiels de la vie, par exemple sur l'alimentation, sur les déplacements ou sur la santé. Tout à l'heure, Romain évoquait la société GS Nord. Bah, typiquement, on est effectivement sur des questions territoriales très, très fortes. Et sur le plan environnemental, est-ce que, voilà, on note de toute manière qu'il y a vraiment une volonté d'aller vers moins de volume de biens matériels produits. Est-ce que dans les expériences d'entreprises qui ont été décrites dans les fiches du panorama, est-ce qu'il y a d'autres intérêts environnementaux à ces offres, ces nouvelles offres d'entreprises ? Alors, oui. D'abord parce que il y a sur un certain nombre de modèles d'affaires, on va s'engager sur une disponibilité du système sur une durée de vie très longue. Donc à ce moment-là, ça nécessite d'éco-concevoir les produits. Par exemple, on a Amser Industries qui fabrique des pompes à chaleur. Désormais, son modèle, c'est de dire vous avez une disponibilité H24, 7 sur 7, et pendant 10 ans. Donc forcément, il a dû retravailler l'éco-conception de ses... Il a dû éco-reconcevoir ses produits pour garantir effectivement un fonctionnement avec un minimum de maintenance dans le temps. On a aussi des gens qui travaillent sur Esther, par exemple, qui travaillent sur le reconditionnement mobilier, en se rendant compte que c'est plus intéressant d'avoir des sièges de très bonne qualité, donc c'est du mobilier de bureau, des sièges de très bonne qualité qui durent, plutôt que des sièges qu'on va racheter mais qui auront moindre qualité ergonomique. Évidemment, l'exemple de Julien est patent et on en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi des questions de logistique, par exemple, qui vont se poser. Il y a une société qui s'appelle LDE qui faisait uniquement de la distribution de livres à destination des établissements scolaires. Désormais, son métier, ça consiste à gérer les stocks et même ça consiste à dématérialiser. Et donc, on voit bien que là, l'impact environnemental, enfin, dématérialisé parce qu'il accompagne finalement les professeurs dans la réalisation de leurs cours. Et donc, on voit bien que l'impact environnemental, à ce moment-là, dès lors que la dématérialisation elle-même et ses effets sont maîtrisés, on voit que la logistique va être beaucoup moins impactante. Donc oui, il y a tout, quasiment assez systématiquement, on va dire, des effets environnementaux qui sont remarquable. Bon, il y a moins de gaspillage alimentaire aussi dans un autre cas qui s'appelle Areco, qui vend en fait, vous savez, les brouillards, la micro-nébulisation. Et ils se sont rendus compte que leur vraie proposition de valeur, c'était de garantir la fraîcheur des produits. Et ben, ils peuvent, en partageant cette valeur créée, s'engager à ce que, et c'est le cas, il y ait 20% de gaspillage alimentaire et de gaspillage en moins dans les supermarchés. Donc voilà, on a toujours cette dimension environnementale qui est présente. J'invite tous les internautes à aller voir les fiches sur les expériences d'entreprises engagées sur l'économie de la fonctionnalité, donc décrites
dans le panorama, donc l'étude ADEME, le panorama et pistes d'action sur l'économie de la fonctionnalité. Alors, on reviendra vers toi, Paul, hein, au sujet du panorama, mais j'ai invité Gwenaël Carvajan de la société FINEF, donc il va venir nous rejoindre. On va prendre toutes les mesures d'hygiène qu'il faut. Alors, je crois qu'il y a un petit manchon bleu, voilà, pour... Donc, je rappelle, donc, on va partir dans le sud, hein, puisque Gwenaël est en région PACA. Donc, on a parlé beaucoup des Hauts-de-France, mais il se passe beaucoup de choses aussi dans le sud de la France. Donc, Gwenaël, vous avez créé la société FINEF. C'est une société de financement de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Mais tout d'abord, vous avez... Alors, on va parler de financement maintenant. Donc, vous avez bien compris. Vous avez conduit une étude de faisabilité soutenue par l'ADEME et la région PACA. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette étude et l'objectif de cette étude et ce qui a motivé cette étude? Oui, on va commencer par cette question de la motivation de l'étude. Il y a dans un certain nombre de cas de figure, quand on parle d'économie de la fonctionnalité, un besoin d'équipement matériel. Quand on dit on arrête de vendre un produit, mais on vend même pas son usage, sa performance d'usage, ça peut être sur des luminaires. Dans ce cas-là, on ne vend plus les ampoules, mais on vend la bonne lumière au bon moment. Et de temps en temps, donc ces offres-là, ces fonctionnements-là, nécessitent des équipements qui peuvent être assez onéreux. Et dans ces cas de figure-là, on se retrouve avec une difficulté qui est qu'il faut financer ces équipements-là. Donc on a plusieurs entreprises en région PACA qui effectivement étaient confrontées à ça, qui avaient réfléchi à leur modèle, qui avaient commencé à maturer. Je vais vous donner quelques exemples pour comprendre bien ce besoin-là. Totem Mobi, qui est actif dans le secteur de l'autopartage en free floating. À Marseille. À Marseille, hein, c'est ça. C'est ça. Mmh. Qui fait ça en lien, en coopération avec la métropole. Il y a une difficulté, c'est que pour accroître pour mettre en place son offre, il faut bien qu'elle investisse dans des véhicules. Donc, ce sont des tweezies. Voilà, hein, c'est les petites tweezies électriques. C'est ça. Donc, quand vous dites, je vais permettre à mes habitants, aux Marseillais, de louer des voitures au quart d'heure, comme elle le fait, avec en plus des tarifs sociaux, avec tout un tas de services associés, eh ben, il faut être capable d'investir. Autre exemple, société Suchanek, qui est active dans le vignoble. C'est un électricien qui met notamment en place des groupes de froid dans les caves coopératives pour les périodes de vinification. Ça dure 2-3 mois et pendant 2-3 mois, il faut donner du froid aux cuves. Suchanek se dit, plutôt que de vendre des groupes, je vais essayer de me poser la question de à quoi ça sert. Ça sert à amener du froid, je vais plutôt vendre du froid. Et il se pose cette question-là parce que, notamment... ces groupes ne servent que pendant 3 mois dans l'année. Et effectivement, on se dit pourquoi ne pas les utiliser à d'autres usages pendant le reste de l'année. Donc on voit bien là l'intérêt sur le sujet environnemental, c'est que le même groupe sert plusieurs fois. Donc on intensifie l'usage des équipements. Mutualise, mais là, de la même façon, on mutualise, c'est ça. Et il garde les équipements. C'est bien ça le nœud, c'est que du coup, il faut qu'il investisse plutôt que de revendre un équipement en se faisant la marge tout de suite, il va le garder, il va le porter en investissement et donc il faut aller voir des gens pour financer tout ça. Alors c'est intéressant dans ces cas de figure-là de l'EFC qui, encore une fois, tous les sujets EFC ne sont pas concernés par cette question matérielle, mais quand ça le concerne, on est là vraiment au cœur d'une des promesses du modèle sur le sujet environnemental. C'est quand vous êtes là, évidemment, vous ne faites plus d'obsolescence programmée. Quand vous êtes là, évidemment, vous essayez de faire en sorte que votre équipement rende le plus de services possible. Donc le fameux découplage entre création de valeur et puis ressources consommées, énergie consommée, c'est là que vous l'avez le plus. Parce que du coup, vous faites, comme ça a été dit, de la conception, vous faites des choses comme ça. Ça pose des problèmes en termes de financement. Parce qu'effectivement, là, si vous allez voir votre banquier traditionnel, il vous dit, mais c'est bien, sauf que le ratio d'endettement que ça va générer sur ton bilan, il n'est pas soutenable, je ne suis pas capable de le suivre. Je n'arrive pas à l'analyser, ça sort de mon cadre. Quand on va voir les partenaires financiers de haut de bilan, ils disent, et les comprend... Le haut de bilan, donc ça va être tous les investisseurs qui vont intervenir en actions, en obligations, les financeurs traditionnels qui sont plus, pas sur de l'emprunt, mais sur de l'investissement. Les investisseurs, on va dire ça comme ça. Ils vont dire, moi, je ne suis pas là pour financer des équipements. Je veux bien financer de la recherche et développement, je veux bien financer des outils de production, je veux bien financer des choses comme ça, des acquisitions, mais pas des équipements qui vont servir à faire ton offre. Pas en termes d'investissement, en tout cas.
Alors du coup, on se dit, bah, il faut faire appel à des gens qui font du leasing. Mais en fait, le leasing, ce n'est pas la bonne solution non plus. Ce n'est pas la bonne solution parce que les taux ne sont pas forcément les bons. Ce n'est pas la bonne solution parce que les durées ne sont pas forcément les bonnes. Ce n'est pas la bonne solution parce que, en fait, le leaseur, il est quand même propriétaire ou in fine de votre équipement. Donc c'est gênant parce que quand on fait de l'économie de la fonctionnalité, on le fait d'une certaine manière. On veut garder la main sur l'équipement. C'est comme ça qu'on crée de la valeur. Et puis surtout, enfin, le leaseur, il est là pour financer une petite partie de l'activité, une voiture ou un poste informatique peut-être. Mais dès que c'est le cœur de votre activité, il aura du mal et il aura les mêmes difficultés au final que le banquier. Donc, pour revenir au début de la question, on s'est posé il y a deux ans maintenant à peu près, en région PACA, la question, est-ce que par rapport à ce trou dans la raquette, cette difficulté de financement des équipements, de la partie matérielle qui est nécessaire pour le développement d'une offre en économie de la fonctionnalité, on peut imaginer un instrument dédié. Mmh. Et ben, faisons une étude de faisabilité. Mmh. C'est comme ça que c'est parti. Parce que là, il s'agit bien d'investissements matériels. Hein, c'est ça. Il y a aussi des investissements immatériels. Exactement. Là, exactement. C'est vraiment des investissements matériels. Il ne faut pas qu'on mélange. Et donc, on voit bien l'intérêt... Pour Total Mobis, Suchanek, ils se sont posé la question de ces financements, c'est de ça. Leurs équipements qu'ils gardaient. On s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs sociétés dans ce schéma-là. Et Nogea, je cite encore cela, qui c'est un peu différent, c'est intéressant. Fabricant de turbines ORC, donc pour transformer la chaleur fatale des moteurs en électricité. Il se dit, plutôt que de vendre des turbines, je vais vendre les kilowattheures et je vais m'engager sur le résultat. Sauf que pour arriver à financer ces turbines-là, c'est très lourd comme investissement. Il a essayé de monter des dossiers. Ça a pris 6 mois et un temps considérable de ses équipes et puis aussi de BPI qui était le financeur. Donc, on arrive dans cette situation où on souhaite pousser ce modèle-là, mais la question du financement est parfois un frein qui fait que l'entrepreneur, il ne va pas appuyer sur le bouton. Il ne va pas mettre en œuvre tout le changement organisationnel qui est nécessaire dans sa structure. Il ne va pas mettre en œuvre les investissements immatériels, les programmes de R&D amont, parce qu'il va se dire, si je ne suis pas capable de suivre pour financer les équipements, ce n'est pas la peine qu'il y aille. Un peu coincé. Alors, du coup, il y a une étude qui a été soutenue par l'ADEME. Et donc, qui était autour de la table pour cette étude-là, alors, en PACA? Autour de la table, au départ, on a créé une association qui a été fondée par ces entreprises-là qui ont accepté de jouer les cobayes pour qu'on triture un peu leur modèle et qu'on essaie de voir si ça bloquait vraiment en termes de financement, pourquoi et quelles seraient les bonnes solutions à apporter. Donc ça, c'est le cœur de noyau. Et puis assez vite, forcément, on s'est rapproché du monde financier. Il faut citer France Active qui a été très, très active dès le départ dans cette aventure-là, c'est ça. Ouais. Parce qu'on est dans le domaine un peu de l'entrepreneuriat engagé qui est cher au réseau France Active, mais aussi les autres banquiers, aussi les réseaux d'accompagnement de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, TR2FC, Imatera, Pikaya, un peu tout le monde. C'est un club régional. Hein, voilà, c'est un club régional. D'économie de la fonctionnalité, de la coopération. C'est ça, qui est en lien avec l'Institut européen qu'on a cité tout à l'heure. Et Pikaya. Donc, Pikaya, la région, l'ADEME, les banquiers. Région ADEME, BPI, Banque des territoires, les assureurs, aussi les gens qui font des garanties de crédit pour essayer de comprendre ce qu'on pouvait faire, en fait. On va dire qu'au départ, la page était vraiment blanche. D'accord. Sorti, alors, ce qu'on a fini par écrire sur cette page, c'est que ça n'avait pas de sens, en tout cas au démarrage, de se dire il faut créer un établissement financier de plein exercice. La marche est trop haute, ça coûte trop cher, c'est trop compliqué, donc il ne faut pas le faire. En revanche, imaginez un rôle d'intermédiaire en opération de banque, donc quelqu'un qui va un peu réunir les banquiers autour d'une même table et dire j'ai analysé le dossier, voilà ce que je propose comme montage financier, ça peut être de nature à rassurer les banquiers et surtout les faire intervenir dans un cadre qui est un petit peu plus facilitant pour eux. Bon, on peut revenir parce qu'il y a là-dedans des aspects qui sont un petit peu techniques. On est vraiment sur des niveaux d'ingénierie financière dédiés, un peu innovants, qui permettent une prise de position plus facile des banquiers que si FINEF n'était pas là. Mais au fond, je reviens avec France Active, le parallèle est vraiment intéressant. France Active, historiquement, sur l'économie sociale et solidaire, a eu ce rôle de catalyseur et d'aiguillon des financements vers l'ESS parce qu'ils ont dit, moi je connais l'ESS, je sais comment fonctionnent les modèles économiques, donc je fais l'analyse amont et je les propose aux partenaires bancaires qui du coup sont plus à même d'intervenir et de soutenir des associations. Finalement, on se dit, FINEF doit faire peut-être la même chose, jouer un rôle d'intermédiaire, mais surtout d'entraînement des partenaires bancaires et financiers. D'accord. Vous êtes au centre d'un écosystème d'acteurs, au fait. C'est ça. Vous faites l'intermédiaire, l'agencement de ces acteurs et de l'ingénierie financière
Exactement. Le lien entre les différents acteurs, de façon à ce que les choses puissent se faire, se décanter. On ne peut pas demander à chaque banquier d'intégrer, c'est un peu comme on disait tout à l'heure pour les clients, on ne peut pas lui demander d'intégrer toutes les spécificités du modèle, en tout cas pas tout de suite. S'il y a une période d'accompagnement, d'acculturation, dans lesquelles on va jouer un peu au Lego en disant on va prendre chez un telle partie de garantie, par exemple, on va essayer de faire en sorte que les contrats, les offres soient faites de telle façon à ce qu'on optimise les garanties. On accompagne un petit peu tout le monde de manière à ce qui était aujourd'hui, ce qui est encore aujourd'hui très difficile à financer, on puisse trouver des solutions. D'accord. Voilà. Donc, les entreprises qui font les offres EFCI trouvent leur compte, les clients de ces entreprises aussi, les banquiers trouvent une place, les autres financeurs publics aussi. Enfin, voilà, vous avez trouvé... une ingénierie qui peut coller. C'est ça. Alors, ça ne veut pas dire que tous les projets en EFC pourront être financés. Hein, on est là dans un modèle où chaque partenaire va garder, quoi qu'il arrive, tout à fait son droit de suivre ou pas, de prêter ou pas à telle ou telle entreprise en fonction de la pertinence du projet. En revanche, ce que fait effectivement FINEF, c'est de jouer ce rôle d'aiguillon et de catalyseur, de pré-octroi. C'est finalement ça le terme un petit peu technique, c'est qu'on va faire l'analyse financière du dossier en amont, on va construire une ingénierie financière sur mesure et la proposer aux partenaires bancaires et financiers. D'accord. Voilà. D'accord. Et vous vous financez finalement sur cette ingénierie financière. Oui, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que quand vous faites appel aux acteurs plutôt du leasing ou des crédits bail, vous avez des taux d'intérêt qui sont largement supérieurs à ce qu'un banquier traditionnel est capable de servir quand il fait un crédit classique. On connaît ça. Donc entre le 1,5 du banquier et le 5 du leasing, il y a quand même toute une marge de manœuvre dans laquelle on explique au banquier qu'il peut peut-être aussi mieux se rémunérer et que du coup, ça peut aussi servir le client et puis accessoirement rémunérer FINEF. Parce qu'on a besoin forcément de cette rémunération, c'est pas un instrument qui coûte cher, FINEF, mais en revanche, on se dit que si on arrive à constituer une réserve pour continuer dans cette logique d'auto-assurance et faire en sorte que finalement, on continue petit à petit à diminuer le risque pour l'ensemble des partenaires, c'est là qu'on gagnera. Très bien. Et alors, qu'en est-il de FINEF maintenant ? Quel développement envisagez-vous à l'avenir ? Alors, FINEF était jusqu'à présent une association de préfiguration, une association de loi 1901. On doit aboutir dans les semaines qui viennent, on va dire dans un mois à peu près, à la transformation ou à la création d'une société vraiment dédiée avec ce mandat, le terme est technique, excusez-moi, d'intermédiaire en opération de banque et de services de paiement. Donc avec les partenaires bancaires, les trois qui sont identifiés, qui sont les plus volontaires, il faut les citer, c'est la Caisse d'épargne, c'est PAC, c'est le Crédit Coopératif et c'est BNP Paribas, qui sont à la fois présents et investis régionalement et nationalement sur ces sujets-là. C'est ça. À des niveaux divers. Donc, et puis France Active, qui pourrait jouer, c'est en train de se discuter, qui pourrait jouer un rôle relativement central, notamment dans les déploiements dans les différentes régions. Parce qu'autant on a commencé avec l'écosystème régional en région PACA, autant évidemment tout ça n'a de sens que si c'est mis à la disposition de l'ensemble des territoires qui souhaitent soutenir ce modèle en économie de la fonctionnalité. Donc, là, il s'agira évidemment de le co-construire avec eux et France Active pourrait être un peu la tête de pont pour ce déploiement-là. Ça fait partie de ses missions et de ses objectifs. D'accord. Mais rien n'est fait encore. Donc, je vous invite à suivre les actualités dans un mois à peu près. J'espère qu'on on aura appuyé sur le bouton. Bon, on vous souhaite que cela aboutisse, en tout cas, puisque merci. Ça permettra d'apporter des clés au financement de ces ressources matérielles qui sont une vraie difficulté finalement. C'est ça, et du coup de permettre que le modèle EFC se déploie avec la vigueur qu'on souhaite, parce que c'est vrai qu'on a besoin, je fais juste une petite parenthèse au travers de tout ça, à titre personnel, j'adore ce modèle-là de l'EFC, pourquoi ? Je trouve que c'est le seul que j'ai croisé en tout cas, qui amène une solution théorique à la question du court-termisme. Quand on rentre dans l'EFC, on raisonne nécessairement à moyen long terme et surtout sur ces questions matérielles. Et pour ça, il faut vraiment développer ce modèle. Oui, on l'a bien vu avec les exemples donnés. Je vais revenir maintenant vers Paul, parce que là, donc, on a vu une piste d'action possible pour lever des freins au développement de l'économie, de la fonctionnalité de la coopération. Et dans le panorama, donc, on va retrouver en fait un ensemble de pistes d'action. Mais alors, Paul, est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes, du moins
puis peut-être s'ouvrir au territoire. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus là-dessus ? Oui, alors effectivement, on a identifié un tas de quelques freins et puis tout un tas de leviers. Hein. Les freins, Gwenaëlle vient d'en parler, notamment le financement, il peut être aussi assurantiel. Des leviers, ils sont liés notamment à la connaissance de ce modèle. En fait, on se rend compte que l'EFC n'est pas un modèle qui est extrêmement connu. Donc, naturellement, les acheteurs, notamment, et parfois les acheteurs aussi de la sphère publique, je vais revenir dessus, ne savent pas qu'on peut effectivement avoir ce type de relation et de coopération en fait sur le long terme en partant de leurs propres besoins. Alors, la connaissance de l'EF est un point, mais aussi justement les comportements d'achat, parce que Romain l'a très bien dit en tout début de séquence, c'est que il y a besoin de co-construire une relation là, en partant toujours du besoin du client, mais n'empêche, il y a une question d'engagement des deux parties dans une co-construction et sur le long terme. Et ça, ce ne sont pas forcément des comportements d'achat qu'on retrouve hein, assez naturellement auprès des gros acheteurs ou des acheteurs de la sphère publique, parce qu'il y a aussi des contraintes réglementaires sur lesquelles, d'ailleurs, on travaille au sein de l'Institut de l'économie, de l'IEFC, pour voir comment est-ce qu'on peut les abaisser. Et puis, le dernier point qui est en fait fondamental et que tous les acteurs nous ont signalé, c'est cette notion de proximité. En fait, ce qui fait que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération se déploie à un endroit, c'est parce qu'il y a une espèce d'alchimie qui s'est opérée entre des acteurs qui sont en capacité de mobiliser leurs entreprises. Donc ça va être des réseaux, ça va être aussi des institutionnels, tous les systèmes d'intermédiation. Le financement, alors le financement à tout moment, le financement quand on parlait tout à l'heure d'accompagnement collectif, effectivement, il y a un accompagnement à la réflexion stratégique dans un premier temps, et puis après sur tous les changements que ça va induire, comment est-ce que les entreprises peuvent être accompagnées dans leur MU. Une mise en relation, tout à l'heure Julien disait que c'était très important de pouvoir interagir avec des gens qui ont déjà la compréhension de ce qu'est l'économie de la fonctionnalité. Donc comment est-ce qu'au niveau national même on fait interagir les entreprises pour qu'elles puissent rentrer en coopération, mais localement ça se fait de manière beaucoup plus naturelle et beaucoup plus facile évidemment qu'à distance. Les questions d'animation économique du territoire et même de politique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on veut que le territoire se déploie sur des besoins essentiels de la vie, hein, je citais tout à l'heure la santé, le transport, le bien-vivre alimentaire, etc. Les expertises autour de l'économie, la fonctionnalité, est-ce qu'il y en a localement sur les questions de contractualisation, de marketing, comment est-ce que les commerciaux se forment et se transforment. Bref, tout ça, on se rend compte que ça se joue beaucoup à l'échelle d'un territoire. Et le fait qu'on puisse avoir des structures qui peuvent animer ça, donc c'est vraiment donc c'est la fonction, on voit que ça crée une réelle différence entre les territoires dans lesquels l'économie, la fonctionnalité et la coopération se déploient, et puis les endroits où il y a eu une, deux expérimentations, et faute de soutien, de support et d'organisation, et bien les choses ne se sont pas forcément pérennisées. Ouais. Oui, on voit que la dynamique territoriale est vraiment clé en fait dans le développement de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération. Alors justement, pour nous en parler, il y a Simon Ledez qui est là et qui va venir nous rejoindre. Donc Simon Ledez qui est délégué général au Club Noé. Hein, donc on en a déjà parlé au club du Club Noé. Donc et d'ailleurs, le club a organisé un atelier ce matin dont nous avons parlé dans cet atelier même. Donc la vocation de ce club, l'animation territoriale de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération dans les Hauts-de-France. Vous organisez des événements, vous organisez des ateliers sur l'EFC. Et là, vous invitez pour cet atelier les chefs d'entreprise à repenser leur modèle économique. Alors, le Club Noé, il est pas, il flotte pas dans l'air comme ça. Il résulte d'une dynamique régionale, territoriale. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, il faut... Il faut savoir que cette dynamique, elle n'est pas effectivement sortie de nulle part. Et c'est une réflexion de longue haleine. La région de Nord-Pas-de-Calais, historiquement, a travaillé la question du développement durable depuis maintenant en fait, une vingtaine d'années, en réalité. Investi massivement sur les questions de recyclage, notamment.
Et s'est rendu compte que demain, si on produit moins de déchets, toutes ces industries de recyclage qu'on a mis en place, qu'on a soutenues, elles sont plus rentables. Ouais. On a besoin du déchet, paradoxalement, pour pouvoir soutenir l'activité économique de ces industries. Et c'est comme ça, il y a eu un appel d'offres en fait, du conseil régional à l'époque qui disait, mais voilà, on a cette problématique-là en termes de modèle économique sur la manière de penser sérieusement la question du développement durable. Ça, c'est la première problématique qui est apparue, je vous parle de ça, il y a 20 ans, dans les années 2000. Autre problématique, et là, c'était plus une question de politique économique en termes de développement durable, c'est que la question du social, il y a un service du conseiller régional, mais en général, il y a un service des collectivités qui s'occupe de ça. La question environnementale, il y a un autre service qui s'occupe de ça. La question du développement économique, il y a un autre service qui s'occupe de ça. Et les politiques sont pensées de manière en silo, en réalité. Voilà la demande qui a été adressée à l'époque, en 2009 à peu près, sur la manière de comment on peut penser ces trois enjeux en même temps. Et au passage, vu qu'on a investi énormément dans ces industries de recyclage, comment on remplit cette problématique du limite économique de ce modèle-là. Et c'est comme ça qu'est apparu le modèle d'économie de la fonctionnalité de la coopération, de manière très conceptuelle au départ. C'était quelque chose sur le fond qui répondait aux questions. Et c'est posé la question de, voilà, après, par la suite, ben voilà, on va mettre ce concept à l'épreuve du réel. Et c'est là où il faut rendre hommage quand même au service du conseil régional qui, à l'époque, a soutenu ça. C'est-à-dire que elle n'a pas essayé de monter ça tout seul dans son coin. Elle s'est dit, il y a des réseaux qui existent déjà, qui sont présents historiquement sur la région de Nord-Pas-de-Calais et aussi en Hauts-de-France. C'est vrai aussi en Hauts-de-France, mais c'est particulièrement vrai en Nord-Pas-de-Calais. On n'aime pas l'isolement chez nous. On a besoin de partager énormément. Et ce partage, ces réseaux qui sont constitués, elles ont posé depuis un certain nombre d'années la question du développement durable, comment on le prend en compte sérieusement. Donc en fait, on avait des acteurs qui étaient présents et qui était en capacité de dire, ben, voilà, en fait, ce modèle d'économie de la fonctionnalité, il semble pertinent. Maintenant, on va le mettre à l'épreuve du réel avec les membres de notre réseau et on va l'expérimenter. Donc, c'est comme ça qu'en 2012, s'est créé historiquement le premier accompagnement de dirigeants. Même en 2009, c'était mis en place aussi de manière moins poussée. Il n'y avait pas un dispositif d'accompagnement du dirigeant sur le long terme. Mais déjà, quand même, la question de la pertinence du concept et de la mise à l'épreuve de ce concept était appliquée. Donc, ça commence à dater, mine de rien. Et surtout, on s'est rendu compte que l'erreur qu'on a faite à l'époque, maintenant, mais on peut vous le dire maintenant avec 10 ans, quasiment 10 ans de recul, c'est qu'on a simplement accompagné les dirigeants d'entreprise. On pensait que si on avait le dirigeant d'entreprise entre guillemets dans notre poche, qui était convaincu par l'économie, la fonctionnalité de la coopération, c'était gagné. En réalité, c'est pas vrai du tout. On a eu plein de dirigeants d'entreprise qu'on a envoyés quelque part au charbon et qui sont revenus nous voir en disant, mais moi j'ai parlé d'économie, j'ai proposé une offre économie de la fonctionnalité à mes clients, on m'a pris pour un poète. J'expliquais la logique à mes collaborateurs de en quoi consistait l'économie de la fonctionnalité, qu'il faut arrêter de vendre toujours plus. Mais mes commerciaux, ils m'ont dit, mais en fait, tu ne vas pas bien. Donc, en fait, on a isolé des dirigeants d'entreprise et on s'est rendu compte que, ben voilà, vraiment, concrètement, on ne peut pas y arriver seul dans l'économie de la fonctionnalité. C'est pour ça qu'on a décidé de constituer un club pour pouvoir apporter une solution globale d'accompagnement. C'est-à-dire, on va accompagner non seulement le dirigeant, on va accompagner ses salariés et on va essayer de lui trouver des clients, des fournisseurs, des partenaires qui vont pouvoir apporter un bout de la solution globale. Et on va faire ce travail avec lui, parce que sinon, pour le dirigeant, c'est une montagne qui est insoulevable en réalité. Donc nous, on doit lui apporter des solutions là, surtout à l'époque en 2012-2013, pour l'économie et la fonctionnalité, c'était vraiment quelque chose de marginal quasiment. Ouais. Quoi. Maintenant, ça l'est beaucoup moins, heureusement, on est très contents. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y avait besoin de créer ce club-là, et c'est là d'où vient le besoin d'avoir un club régional. Oui. C'est pas si vieux en même temps. Hein. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas si vieux. C'est en fait. Non, c'est vrai. Pas encore tout à fait dans l'adolescence. Mais malgré tout, il y a quand même pas mal d'entreprises que vous avez embarquées. Hein. Il y a tout secteur d'activité, toute taille d'entreprise. Tout secteur d'activité, toute taille d'entreprise. Oui, faut quand même avoir à l'esprit que voilà, chez nous en tout cas, au sein du club Noé, qui est un club régional qui veut déployer l'économie de fonctionnalité dans les Hauts-de-France, c'est principalement quand même des TPE et des PME qui s'engagent dans l'affaire.
Mais par contre, vraiment, tout cet temps d'activité. Ce matin, si vous avez pu assister au témoignage, on a fait intervenir un notaire, on a fait intervenir une imprimerie, on a fait intervenir un centre d'appel, quelqu'un qui travaille dans l'insertion autour de l'alimentation durable, etc. On a des producteurs agricoles qui... De toute façon, dès qu'il y a une création de valeur, il y a un modèle économique. Et à partir de là, le modèle économique, on peut le penser dans une logique de développement durable ou dans une logique industrielle. D'accord. Et au-delà des entreprises, vous accompagnez des collectivités. Enfin, il y a des collectivités qui sont adhérentes également au club Noé. Alors, effectivement, c'est important de le préciser. C'est pas quand on parle d'entreprise, il faudrait presque abandonner ce terme puisque les entreprises n'ont pas le monopole de la création de valeur. C'est pas parce qu'elles vont sur un marché que voilà. Il y a quelques qui produisent de la valeur. Les associations produisent énormément de valeur. Les collectivités produisent énormément de valeur. On travaille également avec des universités où, pareil, elles sont prises dans un modèle économique bien particulier. Et quand on leur parle des limites du modèle industriel, quand on regarde réellement concrètement qu'est-ce que ça veut dire dans le travail des gens, vraiment, c'est ça l'enjeu central de notre affaire. Ce n'est pas d'être dans les concepts. Il faut avoir les concepts pour pouvoir avoir les lunettes de l'économie à fonctionnalité et au bout d'un moment comprendre ce qui se passe. Mais ce n'est pas avec ça qu'on attrape les gens. On attrape les gens, au bout d'un moment, en regardant concrètement dans leur travail, qu'est-ce qui leur pose problème. Ce que disait très, très justement Romain, et on l'a vu, pour pouvoir comprendre l'économie de la fonctionnalité chez Flexinc, on ne parle pas d'externalité, on ne parle pas de sphère fonctionnelle. On pourrait vous citer 1000 concepts derrière ça, mais on parle des situations de travail très réelles. Et voilà, ces situations réelles, elles sont partagées partout, aussi bien dans tous les secteurs économiques. Et on a besoin de tout le monde pour pouvoir co-construire les solutions. Ce n'est pas juste pour constater le problème, c'est aussi pour co-construire les solutions. Ouais. Et la création de valeur n'est pas que l'apanage des entreprises, non, mais aussi des collectivités, des associations, ce que tu disais, des territoires au sens général. Donc ça, c'est tout à fait intéressant parce que ça déplace, en fait, hein, ce qu'on peut connaître. Donc, vous développez pas mal d'ateliers, vous accompagnez les entreprises de près. Alors, est-ce que tu peux nous décrire en particulier une action vers les entreprises ? Alors, on a beaucoup parlé tout à l'heure, notamment de l'accompagnement du dirigeant. Et c'est vrai que sans le dirigeant, c'est quand même lui le décideur. C'est lui qui a mis des enjeux aussi financiers, de son propre patrimoine le plus souvent. Moi, j'ai des entreprises que je connais, des dirigeants d'entreprises qui ont deux hypothèques sur leur maison pour pouvoir financer l'activité de leur boîte. Donc, ce n'est pas anodin quand même cette affaire d'engagement financier. Mais pour autant, ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que juste on a convaincu le dirigeant que ça fonctionne. Et du coup, nous, lorsqu'on a pris conscience de ça, on s'est dit, mais effectivement, et Julien en a très, très justement parlé, le métier de commercial, par exemple, il est totalement chamboulé. Lorsque notre but, l'enjeu du commercial, qui en plus est rémunéré, il a une part fixe qui lui attribue un salaire en dehors de tout résultat, mais il a une part variable et qui est une part significative quand même de son salaire, qui est basée sur le fait qu'ils vendent toujours plus. Nous, on arrive phénomène de volume. Toujours finalement. Dans cette logique de volume, absolument. Ouais. Nous, on arrive là avec nos gros sabots et on lui dit, il va falloir que tu vendes moins, mais mieux. Bon, alors très, très bien, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, ça, en termes de... C'est quoi mon métier demain, puis aussi en termes de rémunération, en termes d'organisation du travail avec d'autres dimensions, d'autres réalités du travail dans l'entreprise. Bah, c'est ça qu'on a questionné, notamment dans un parcours qu'on a créé, qui est un parcours pour les commerciaux. On a fait le même pour les managers. On a entendu, je ne sais pas combien de fois, le mot coopération tout à l'heure dans les expériences des uns et des autres. Je dis souvent, la grande force de notre modèle, c'est de la coopération. La grande faiblesse, c'est aussi la coopération. On peut pas y arriver sans. Et en même temps, quand on y arrive, mais mon Dieu, ça permet de soulever des montagnes, cette affaire. Mais du coup, ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est notamment un dispositif entre pairs. C'est-à-dire qu'on va réunir des commerciaux et on va dire, voilà, si votre métier, ce n'est pas de vendre toujours plus, mais de poser des questions d'usage, de qu'est-ce qui est utile pour les clients et comment on les accompagne là-dedans, et comment on essaye de coopérer aussi avec eux, mais potentiellement avec d'autres, c'est quoi, du coup, votre métier ? Et les repères professionnels qu'il va falloir que vous acquérir pour pouvoir avancer dans cette question-là. Donc, voilà, c'est un parcours aussi également d'un an, qui est aussi très, très long, pour pouvoir créer une sorte de référentiel. Ce n'est pas une norme qu'on a créée, c'est vraiment un ensemble de grandes questions qui donnent des indications sur
c'est quoi mon métier dans une logique d'économie de la fonctionnalité. Et c'est ça qu'on a porté. Julien a fait un parcours de dirigeant, mais très vite aussi s'est posé la question de son métier en tant que commercial dans l'économie de la fonctionnalité. Il a intégré maintenant depuis 3 ans ces questions et ce parcours des commerciaux. Mm-hmm. Il a trouvé bon nombre de solutions limites aussi qu'il a confrontées, auxquelles il était confronté dans ce parcours commercial pour dire mais concrètement, comment je contractualise avec mes clients sur cette question d'usage et cette question d'économie de papier ou de flyer économisé. D'accord. Donc, on voit que les métiers évoluent, hein, celui du dirigeant, celui des managers, celui des commerciaux, là, que tu décris bien avec le parcours destiné à ces commerciaux. Par ailleurs, en fait, vous travaillez aussi la question du financement. Hein, et donc, comment vous l'abordez-vous on l'a vu avec Gwenaëlle Carvajal, hein, sur les investissements matériels. Comment vous abordez ces questions-là au sein du Club Noé ? Alors, on l'a abordé historiquement de différentes manières. On a eu en réalité plusieurs échecs, il faut savoir, sur cette question du financement. Où on a essayé d'avoir, donc je vous parle de ça il y a maintenant 7-8 ans, hein, où on essayait d'associer des partenaires financiers aux réflexions. Et surtout, on voulait les aider à questionner leur propre travail. Parce que, enfin... C'est ça, quand je dis vraiment encore une fois la problématique de l'EFC, l'économie de la fonctionnalité, de la coopération. Quand je dis le problème, c'est la coopération, en même temps, c'est la solution. Ça veut dire concrètement que si les autres partenaires ne s'appliquent pas l'économie de la fonctionnalité, ça ne marche pas. Mais c'est vrai aussi pour les financeurs. C'est-à-dire que s'ils pensent simplement leur accompagnement à travers des indicateurs mesurables, s'ils pensent simplement à travers la question de la prise de risque, mais qu'ils ne voient pas toute la question des ressources immatérielles, de toute la valeur, des effets utiles qui sont créés, on passe à côté de l'affaire. Mmh. Donc, on a essayé de questionner les financeurs sur cette question-là. À ce moment-là, on n'y est pas arrivé. Mais pour autant, on a réussi à créer quand même des partenariats intéressants avec, je pense, notamment la NEF, qui est une banque qui se dit éthique et qui a réussi à financer un certain nombre de projets dans le cadre de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Mais surtout, pour moi, ce qu'on a réussi en termes de financement, c'est réussir à donner de la valeur à quelque chose qu'il n'y en avait pas sur le marché. Prenez notamment Julien, l'exemple qu'on a pris, le fait qu'il arrive à créer des économies de papier, d'encre, de ressources, etc. Tout ça, c'est un impact environnemental. Donc ça a énormément de valeur, mais qui paye pour ça ? Est-ce que c'est au client ou au simple bénéficiaire de payer pour ça ? Mais non, en fait, c'est un bénéficiaire, mais notamment sur la question de en quoi c'est utile, comment il va pouvoir utiliser le document, mais tout l'impact environnemental, ce ne serait pas juste que le client paye pour ça, seulement lui en tout cas. Oui, c'est l'intérêt général. Exactement, c'est l'intérêt général. Donc du coup, à partir de ce moment-là, comment on va essayer d'aller interpeller des collectivités, vu que c'est elles qui sont dépositaires de l'intérêt général, pour pouvoir financer ça. On a réussi à créer un partenariat avec le conseil régional qui vient financer cet intérêt général, et pas non seulement le résultat que ça provoque, mais pas tant le résultat, c'est sur vous tout le travail que Julien a, parce qu'il a dit qu'un seul bout quand même, de c'est normal, ça prend tellement de temps à faire le point sur tout ça, mais il faut savoir que Julien et Flexink a intérêt à ce que d'autres imprimeurs intègrent ce modèle-là pour avoir un impact environnemental le plus important possible, et il a été financé à ce titre-là par le conseil régional pour aller voir ses concurrents, quand même dame quand on le raconte comme ça, pour dire voilà, j'ai un modèle économique qui est beaucoup plus responsable, comment je vous aide à vous l'approprier pour avoir un impact environnemental plus grand, et du coup le conseil régional finance cette activité et ce travail-là. D'accord, très intéressant effectivement. Alors je pense que Gwenaëlle Carvajal voulait juste réagir rapidement à ce qui avait été dit. On remet les petits sub bleus là. Éviter toute contamination. Oui, je pense que ça va aller là. Oui, réagir rapidement à cette question du mais finalement qui paye pour signaler un appel à projet qui a été lancé il y a quelques jours par l'ADEME sur les contrats à impact social. Oui. Je vous invite tous et toutes à y jeter un œil parce que c'est un des mécanismes qui nous semble les plus intéressants pour faire en sorte justement que ces externalités, ces choses qui sont positives pour le bien public mais qu'on ne sait pas bien intégrer dans les plans de financement, eh bien on puisse quand même les réinternaliser, les remettre dans les plans de financement. C'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup d'ailleurs avec Picaya, comment on peut remettre un peu de logique dans le qui paye quoi. Donc, les financements, vaste question, mais on trouve des solutions. Alors, cet atelier arrive à son terme.
Alors, je voulais juste vous signaler que donc l'étude Panorama sur l'économie de la fonctionnalité et les pistes d'action donc, a produit plusieurs documents, mais vous allez retrouver vraiment beaucoup de ressources dans un document qui s'appelle « Sélection de ressources sur l'économie de la fonctionnalité ». Donc, je vous invite à aller regarder ce document. Donc, il y a sûrement un lien vers le Club Noé où on retrouve ressources également, donc allez-y, vraiment, on trouve toutes sortes, des vidéos, des documents plus scientifiques, voilà, toutes sortes de ressources. Je vous signale également que l'ADEME a lancé cette année un nouveau programme qui s'appelle Territoires de services et de coopération, c'est le programme Coopter, qui vise à accompagner des territoires dans un changement de modèle économique en s'appuyant sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, donc autour des grandes fonctionnalités de la vie, habiter, s'alimenter, se déplacer, autour du tourisme, etc. Donc c'est un programme qui débute, on souhaite accompagner dans un premier temps une dizaine de territoires, et ce programme est conduit en partenariat avec Atemis, et on va travailler avec les clubs également locaux pour pouvoir développer ce programme. Alors, un grand merci à tous pour votre participation. Donc, on espère vous avoir éclairé sur ce nouveau modèle économique qu'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Alors, sachez que ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay. Donc, on vous incite à diffuser largement le replay sur vos réseaux. Et on vous souhaite une très belle fin de journée à tous et à toutes.